Bonjour, une fois de plus, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. C'est Léla GU. Je suis une fois heureux de pouvoir faire cette vidéo avec vous. Aujourd'hui, je fais une vidéo dans un environnement assez différent de celui dans lequel je le fais souvent. Vous avez remarqué, je suis dans une chambre un peu différente. Et ceci, c'est dans le cadre d'une activité organisée par notre école. Et donc, je suis venu dans cette ville pour cette activité particulièrement. Et j'ai pensé qu'il était préférable de faire une vidéo à partir d'un sujet que j'ai découvert tout récemment et qui peut certainement changer votre vie d'une certaine façon. Donc aujourd'hui, c'est toujours un concept, une nouvelle notion que nous apprenons aujourd'hui et c'est toujours dans les termes de finances. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre assez exceptionnel que j'ai commencé à lire il y a de cela environ 3 semaines. C'est un livre super, il est fantastique. Je prends beaucoup juste par lire ce livre. Et le nom de ce livre, c'est The Millionaire Fast Lane par MG DeMarco. Et donc, dans ce livre, il parle de comment est-ce que la société est divisée entre les pauvres et les riches. Il parle de quelles sont les habitudes des pauvres, le mindset des pauvres et comment y remédier. Il donne les solutions concrètes sur ce que nous devons faire pour pouvoir améliorer notre vie financière d'une certaine façon. Donc, au fur et à mesure que je lisais le livre en question, je suis tombé sur un point très, très, très intéressant. C'était quelque chose que je ne connaissais réellement pas. Et après avoir découvert cela, je peux dire que cela m'a ouvert les yeux d'une façon irrémédiable. Je suis sûr que ma façon de voir les choses est transformée. Je vois que je suis sûr que ma façon de garder ou bien de faire de l'épargne est beaucoup plus meilleure juste par cette notion que j'ai apprise par ce livre. Et quelle est donc cette notion? Cette notion, elle fait un rapport avec une psychologie qui est établie très profondément dans la façon dans laquelle nous réfléchissons. Donc, ce livre parle de la façon dont les pauvres, la plupart du temps, achètent les choses pour paraître riches. Par exemple, il y a une personne, il est peut-être un étudiant, il va commencer à chercher les vêtements de 10 000 francs ou bien les vêtements de 20 000 francs avec les chaussures assorties, les chaussures de 25 000 francs Adidas ou bien Nike. Il les porte tous les jours, il va à l'université, il cherche l'inga. Ce genre de vie, ok, je vais prendre soin de moi-même, je vais acheter tout ce qui peut contribuer à ce que les autres me perçoivent d'une certaine façon. Et donc, lorsque je regarde cela, je peux dire que c'est un peu le cas de ce qui se passe la plupart du temps dans notre société. Parce que nous allons voir une personne, par exemple, la personne n'a pas beaucoup d'argent, la personne n'a pas beaucoup de revenus, mais la personne va porter des vêtements chers. La personne va chercher à s'acheter la nouvelle voiture qui vient, chercher à construire une maison avec des matériaux solides et durables. Parfois, il commence la fondation, il ne termine pas. Et lorsqu'on voit toutes ces choses, on se rend compte qu'il y a un certain problème lorsqu'il faut faire l'achat des choses. Dans ce livre, il préconise que si tu dois réfléchir à quelque chose avant de pouvoir l'acheter, de telle sorte, je peux prendre un exemple. Si je voudrais acheter, par exemple, une voiture, et le fait que je vais acheter la voiture me fait penser, alors je n'ai pas la capacité de pouvoir acheter cette voiture. Je prends un autre exemple. Une personne, par exemple, un salarié, disons, qui gagne 250 000 francs chaque mois. Il part à la banque, il récupère son argent et ensuite un vendeur de chewing-gum passe par lui et donc il est intéressé par le chewing-gum. Il dit qu'il va acheter le chewing-gum. Est-ce que cette personne va-t-il penser beaucoup lorsqu'il s'agit du chewing-gum ou bien la personne ne va pas trop penser lorsqu'il s'agit de faire sortir de l'argent pour acheter du chewing-gum? Certainement, la personne ne va pas penser beaucoup pour faire sortir de l'argent pour acheter le chewing-gum. Cela veut dire que lorsque tu veux acheter quelque chose et que cette chose que tu veux acheter ne te fait pas penser,
cela veut dire que tu as la capacité de l'acheter. Pourquoi tu as la capacité de l'acheter? Parce que dans ton cerveau, de façon inconsciente, tu considères que les conséquences et les choses qui pourront venir par après ne pourront pas influencer ta situation financière que tu as actuellement. Donc, acheter un chewing-gum, acheter un stylo de 100 francs, cela n'influence pas trop sur ta situation financière. Mais par contre, si tu dis que tu vas acheter une voiture de 3 millions et que tu touches un salaire de 250 000 francs, tu fais des épargnes pour acheter une voiture de 3 millions. Acheter une voiture de 3 millions en lui-même est un très grand objectif pour une personne qui touche environ 250 000 francs par mois parce qu'il faut faire un certain nombre de plans, il faut faire beaucoup d'épargne et parce que cela te prend beaucoup d'énergie, on peut dire que tu n'as toujours pas la capacité de pouvoir l'acheter. Et ce que le livre dit, pour ce que tu n'as pas la capacité d'acheter, laisse-le de côté d'abord. Concentre-toi sur ce que tu peux acheter tout en multipliant tes revenus pour pouvoir être capable d'acheter plus. Donc, c'est ce que le livre dit. Et donc, pendant que j'étais en train de penser à cela, je regardais ma situation et tout. Et je pense qu'il est très important, il est très important pour chacun d'entre nous d'ailleurs, de pouvoir considérer ce point-là qui est assez important. C'est quelque chose que nous ne parlons pas. C'est pour cela que je fais cette vidéo aujourd'hui. Et je voudrais bien toucher le public, je voudrais bien toucher à tous ceux qui ont souscrit à cette chaîne. Donc, pour vous dire que lorsque vous avez quelque chose que vous avez acheté et que vous pensez, lorsqu'il s'agit d'acheter la chose, cela veut dire que vous n'êtes pas encore en capacité d'acheter la chose. Là maintenant, la décision d'acheter ou de ne pas acheter, cela revient entièrement à vous. Donc, c'est ce que je voudrais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo et on se retrouve à la prochaine. Je vous dis merci. Peace.